Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 18. Il est 9h23 du matin, je me suis réveillée à 9h, j'ai dormi 4h. Programme d'aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, j'ai fini de monter la vidéo hier de Walking Dead. Je vous ai mis le lien en barre d'informations pour voir la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai jamais autant travaillé pour une vidéo, donc j'espère vraiment que le prof il va kiffer. Donc là, en fait, on va présenter cette vidéo-là au professeur. Et après, il y aura un écrit à rendre. Donc moi, l'écrit, je m'en occupe pas. Hein. Je ne vais plus en entendre parler de ça. Donc, on va présenter ça à 11h, donc dans 1h30. Ensuite, il faut que je vous montre la vidéo que vous avez vue donc hier. Parce que je l'ai pas monté. J'aimerais bien aussi emballer tous les cadeaux de Noël. Ça serait vraiment cool. Et le soir, j'ai une soirée avec des potes. Mais voilà, en tout cas, hier, c'était ma dernière grosse journée taf. Après, là, ça va être les vacances. Donc là, je suis en vacances actuellement. À part la soutenance de tout à l'heure, mais je suis en vacances. Pendant ces vacances-là, on va faire des projets. Donc, projet individuel, projet en... Des deux projets individuels en sur R. Et aussi un projet sur GGRC, donc la gestion des risques et des crises avec le facteur humain. Et la prise de décision. Et après j'ai bien sûr mes partiels à réviser. Donc écoutez, voilà pour cette journée, voilà pour le programme de la journée. Je suis éclatée au sol. Regardez mes yeux, c'est une catastrophe. Donc j'ai les yeux extrêmement rouges. Je vais aller mettre mes lunettes parce que j'ai trop mal aux yeux. Et puis bah, c'est parti les gars. Let's go. Bon voilà, je suis prête. J'ai mis mon pantalon que j'aime trop de chez Shein. Trop cool, trop bien parce qu'il est chaud. Et un petit pull qui vient de chez Primark avec mon petit collier de Majolie Candle avec les signes astrologiques. J'ai essayé de faire un petit make-up pour que je ressemble pas trop à un zombie, donc au moins ça s'est fait. Il est 9h48, donc c'est parti, on va faire la présentation. Un peu stressée parce que j'espère que tout va fonctionner, le son, etc. Parce que j'ai vraiment beaucoup bossé le son. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu con. Principe est juste là. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, Prince. Ça va mon cœur ? Dis bonjour un petit peu. Regardez-moi ces petites papates là. Oh, t'es trop beau, mon cœur. Montre-nous ton bobo encore. Bah ouais, tu leur montres que le bobo est toujours pas parti. Allez, on va y aller. Enfin, je vais y aller. Let's go pour la soutenance. Je suis au bout de ma vie. Du coup, vous en avez pensé quoi du montage? Top du top. Oui. Extraordinaire. Ouais, vous avez aimé. Ah bah celui-là, je vais le remontrer l'année prochaine. Bah, il est sur YouTube, sur en lien. C'était superbe. Bravo. Si je peux vous l'envoyer. Oui, je veux bien. Comme ça, vous pouvez même la télécharger si vous voulez. C'était génial. Bah, tant mieux, est-ce que vous avez kiffé? Vous êtes dans mon... des choses à montrer aux autres. Ah ouais, c'est vrai? Ah, trop. Il avait marqué ? Non, bah je pensais pas que ça ferait la taille de mon doigt du coup. La taille de mon doigt. On a compris ça. Le sale des ambiances. Eh bien, je reviens de mon oral. Je suis tellement contente parce que tout le monde a aimé. Que ce soit le prof ou alors les élèves, ils ont tous rigolé, ils ont tous kiffé. Donc vraiment, ça fait du bien d'avoir pas de la reconnaissance dans le travail parce que je sais que mon travail, il est bien. Mais que ça plaise au public, que ça plaise à un peu tout le monde et tout, parce que quand on regarde une vidéo, on voit pas vos réactions à vous. Et là, j'ai pu voir la réaction des gens et tout le monde était content et tout. Et à la fin de la vidéo, donc, tout le monde a applaudi, tout le monde était en mode wesh, c'est un truc de ouf, ils ont fait des applaudissements de ouf et tout. J'étais trop saucée. Le prof, il est venu, il m'a dit c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Il était impressionné. Donc moi, je suis remontée à ranger mes affaires. Et il est allé voir Cindy et les autres filles, du coup. Il a dit, ouais, vous avez fait appel à un professionnel et tout, vous avez du budget, patati, patata. Et mes potes, elles ont dit, bah non, c'est Elisa qui fait tout. Alors oui, je suis professionnelle, hein, c'est mon métier d'être monteuse, du coup. Voilà, je suis trop contente. Et il a dit, ouais, c'est incroyable, franchement, l'une des meilleures vidéos que j'ai vues et tout. Et après, je suis allée le voir, du coup, et je vous ai montré la réaction. Il m'a dit, ouais, franchement, c'est incroyable et je vais réutiliser le projet l'année prochaine. Donc ça veut dire que vraiment on a placé la barre là. Mes 50 heures de travail n'ont pas été pour rien, donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, je suis heureuse, je suis contente. En plus il y a mon père qui m'a appelé parce qu'il a regardé la vidéo, il m'a dit, il dit ça c'est incroyable ce que tu fais, je pensais pas que t'étais aussi bonne en montage. Parce que mon père, voilà, il est un peu passif là-dessus, il connaît pas trop ma belle-mère n'a pas pu regarder la vidéo en entier parce qu'elle avait eu peur et tout, parce que vraiment les musiques elles sont là, elles sont stressantes. Et je lui dis, bah ouais, les musiques c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai mixées, c'est moi qui ai créé ces musiques là, c'est moi qui ai tout fait en fait de A à Z. Et il m'a dit, ouais, dès l'introduction on est dans l'ambiance, ça fait peur et tout, c'est un peu comme Spielberg. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait et pas toi. Je sais pas, si c'est moi, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Et je suis contente que des projets comme ça aboutissent et que ça plaise aux gens
et que ça plaise aussi à mon père, parce que mon père m'a dit vraiment incroyable, félicitations. Parce qu'au début, il savait pas trop ce que c'était, je lui ai donc expliqué les prédictions et tout, des personnages, etc. Et après, il m'a donné une idée, j'étais morte, putain, c'est ma belle-mère qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit, la prochaine fois, tu fais un truc sur le cul. Et je lui dis, oh, bonne idée, on va faire qui sera le meilleur plan cul pour Brigitte Macron. Et genre avec plusieurs variables et tout, je suis morte. Mais en plus ça peut le faire, ça peut être un vrai sujet. Et donc là il a pu voir un petit peu ce que je faisais et c'est vraiment cool et vraiment tout le monde était très content et un peu choqué de l'état, du niveau en fait des montages. Truc, ça m'a vraiment saoulé parce que le son était vraiment catastrophique avec ce PC là. On a vraiment galéré, on a mis 10 minutes à s'installer quand même, c'était assez long. Et le son n'était pas incroyable donc on n'entendait pas tout. C'est un peu dommage parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le son. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, envoie-nous la vidéo sur le groupe de l'EMS. » Donc bah, j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp, comme ça tout le monde pourra la regarder s'ils veulent, etc. Et vraiment, c'était super sympa, j'ai adoré. Je peux pas le mettre sur ma chaîne YouTube à moi parce que il y a des atteintes aux droits d'auteur et ça peut striker ma chaîne. Du coup, je l'ai mis sur mon autre chaîne, enfin une autre chaîne brouillon que j'avais. Donc c'est une chaîne où je vous mettrai le lien non répertorié. Donc si vous voulez mettre des commentaires, liker, etc. Dire ouais, mettez-lui 20 sur 20 ou tu sais, des trucs comme ça pour que mon prof il puisse voir, etc. Vos petits commentaires, franchement ça serait trop cool de votre part. Enfin en tout cas ça me ferait trop plaisir. S'il vous plaît faites ça, comme ça j'ai 20 sur 20. Les 20 sur 20 c'est énorme hein, les gars, ça me remonte ma moyenne de ouf. Donc voilà pour ça, maintenant je vais aller monter la vidéo, donc celle que vous avez vue hier parce que je ne l'ai pas montée. Et après on va faire les cadeaux de Noël, on va emballer les cadeaux de Noël et on va faire les calendriers de l'Avent aussi. Je suis trop contente, j'ai mis 1h30 à juste faire le montage, à l'uploader, etc. Donc là tout est bon. Regardez mon bureau, c'est n'importe quoi. Il faudra que je supprime tout ça, ça va me prendre du temps. Mais au moins ça va faire du bien au bureau parce que j'en peux plus. Donc 15h15 comme vous pouvez le voir, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pas un aussi beau cadrage. Magnifique, Elisa, magnifique, de mieux en mieux. Alors, pour Rituals, le numéro 17, je vais y arriver. Ah, j'ai un Air Mask, je suis trop contente, c'est de la gamme Elixir Collection. Trop contente, j'aime trop cette gamme-là, elle est trop bien. Pour Mademoiselle Bio, ça devient de plus en plus léger. J'ai reçu... Oh, soin bouclier anti-lumière bleue. C'est quoi? C'est à la banane verte, riz rouge et noir. En fait, c'est une crème anti-lumière bleue, voilà, bah oui. Comme les lunettes, en fait, mais sauf que si tu l'appliques sur ton visage. Je connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout. Et le packaging est trop trop beau. Ensuite... C'est quoi? Ah, c'est les toppings. Oui, je vous l'avais montré, je crois, ça. Oui, je vous l'avais montré. C'est des petits toppings. C'est trop bien, vous mettez ça avec du fromage blanc et tout. Typologie du coup, lieu 17. C'est une huile de nuit pour le visage à l'extrait cellulaire de la rose blanche. Oh, trop bien, j'ai trop hâte de tester. Donc ça fait déjà 2 huiles de nuit pour le visage, mais je suis trop contente. Le chocolat au creamy choc, trop contente. Alors Yestyle, c'est une crème pour les mains. Après tout ce qu'il y a à l'intérieur, les gars, je vous jure, je sais pas, c'est marqué en japonais, coréen, chinois, je sais pas. Mais il y a de la camomille, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc trop contente pour ça. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé des housses de coussin que j'avais et que je trouvais plus. Bah du coup je les ai trouvées. Oh mon chat, non mais t'es trop beau. Regardez ce chat au soleil. T'es bien au soleil mon cœur. Et du coup bah j'ai retrouvé mes petits coussins. Je suis trop contente, je savais bien que j'avais des coussins. Donc un coussin style écossais, j'aime beaucoup trop. Et celui-là, putain qu'est-ce qu'il est beau, oh là là. Donc il me manquait un coussin, bah maintenant voilà, je vais pouvoir mettre ce petit coussin à l'intérieur. Ça m'a vraiment fait plaisir que mon père il m'appelle et qu'il me dise qu'il était fier de moi, de mon travail, etc. Et que c'était vraiment du niveau de Spielberg. Vraiment je trouvais ça trop mignon. J'espère comme ça il va prendre conscience que bah, YouTube c'est vraiment un métier très difficile. Parce que là, tout ça, tout ce que j'ai fait dans la vidéo que vous avez vue, là, que je vous ai mis en barre d'infos, c'est du montage que j'ai appris en faisant YouTube. Donc c'est des compétences que j'ai acquises grâce à YouTube. Désolée, je radote beaucoup là-dessus, mais ça me fait vraiment plaisir. Genre. Du coup, je suis super contente. Voilà. Donc voilà pour le petit oreiller. Il est trop mignon celui-là, je trouve. Ça donne un petit assortiment assez sympathique. Je sais pas si vous en pensez, mais trop bien. Donc ensuite, je vais vider le lave-vaisselle parce que là, c'est une catastrophe. De toute façon, l'appartement, là, c'est une catastrophe. Ça peut être rangé rapidement, mais le reste de l'appart, l'entrée, le bureau, une catastrophe. Vraiment, faut que je fasse les cadeaux de Noël parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Donc je vide le lave-vaisselle. Là, j'ai 2 tasses en attente. La tasse d'hier et la tasse de ce matin. Génial, Elisa. Et on va s'attaquer au cadeau de Noël.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais j'ai fini mon truc de sel. Je crois que ça n'est jamais arrivé en 24 ans d'existence. Il va falloir que je rachète du coup un pot de sel. Parfait, allez. Du coup là c'est le moment pour tous mes proches d'arrêter de regarder la vidéo. Même si je sais personnellement qu'ils vont pas le faire. Voilà, c'est pour vous et votre surprise. Si vous voulez regarder, bah grand bien vous fasse. Mais je sais que l'humain est très curieux. Donc si vous voyez vos cadeaux, bah écoutez, tant pis pour vous. Voilà, c'était le petit message de prévention. Donc voici les paquets cadeaux. Hop, et ça c'est tous les cadeaux à l'intérieur. Bon, qu'avons-nous besoin pour les paquets cadeaux? Les papiers cadeaux, ça je les ai achetés à Primark. Trop beau, j'aime trop. Des cadeaux, bien évidemment. Un stylo, des petits rubans, une agrafeuse, une paire de ciseaux, du scotch et bien évidemment des étiquettes encore et encore. Donc c'est parti, il est quelle heure? 15h30. Bon, je viens de finir d'emballer tous les cadeaux. J'ai mis une heure, pile poil. 16h35 du coup. Mais il me semblait que j'en avais plus. Alors par contre, ce paquet cadeau là, ce papier cadeau, c'est un enfer. Ça ne scotche rien, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais il me semblait que j'avais plus de cadeaux que ça quand même. Alors je viens de m'en retrouver. J'ai acheté un bonnet pour mon voisin parce qu'il en voulait un. Et j'ai acheté aussi un jogging chez Pull & Bear pour mon père. J'ai mis le ticket, je crois, dans une des poches. Je savais pas si je le garde, enfin j'allais le changer ou pas, parce que je sais pas si le beige ça va lui plaire, parce qu'il y avait en gris, mais il n'y avait pas sa taille. Mais bon, je vais quand même l'emballer, comme ça sera fait. Et en fait, il y a encore les conneries Patrick. Donc vous savez, les trucs comme ça. Je vais pas les emballer maintenant, je vais attendre de recevoir toutes mes conneries Patrick. Et comme ça, on va pouvoir faire un petit peu de... Donc ça va être plus tard. Ça c'est pour ma voisine, c'est une... je l'ai acheté aussi pour moi, c'est une gomme et taille crayon, c'est incroyable, c'est un panda. Je vais emballer tout ça et les cadeaux les plus jolis, c'est les cadeaux pour Prince, j'adore, c'est n'importe quoi. Ça y est, le soleil se couche, c'est horrible, il est 17h, donc voici les paquets cadeaux, je les trouve trop beaux. Prince, arrête de manger mes décorations, la guirlande du sapin, elle est dans un état les gars, en bas c'est n'importe quoi, genre... Je préfère même pas regarder. Il me manque des cadeaux de Noël. Il me manque deux cadeaux pour ma soeur, des cadeaux pour ma belle-mère, un cadeau pour ma voisine, deux cadeaux pour mes voisins qu'il faut que je crée, un cadeau pour ma filleule, un cadeau pour mon père et toutes les conneries de Patrick. Donc on en est à la moitié des cadeaux. On a quand même encore beaucoup de cadeaux à trouver et à recevoir. Donc voilà pour l'instant. Je vais manger un petit peu parce que là, enfin je vais essayer de trouver un truc pour essayer d'avoir de la voix parce que ce soir je sors. Je vais essayer de ranger un petit peu tout ça, tout ce bordel et remettre les cadeaux bah, dans le petit sac. S'il vous plaît, faites-moi penser qu'il faut que je rachète des poinsettias parce que celle-là n'a pas tenu. Celle-là, elle tient, mais alors l'autre, je sais pas pourquoi elle n'a pas tenu. Du coup, je vais me faire un petit café Starbucks, c'est le House Blend, le spécial Noël. Mon Dieu, c'est trop beau. J'aime trop les tasses transparentes. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, celle-là. C'est pas ça, hein? C'est l'heure, là? Non, abuse pas. Il est quelle heure? Ah ouais, c'est bientôt l'heure. Non, abuse pas, attends un petit peu encore. Au moins 40 minutes dans mon canapé.
Et à 18h, vas-y si tu veux, on peut essayer de, voilà, de négocier. Bon, et bien il est 19h30, je vais pas tarder à y aller à ma petite soirée. J'ai mis un petit pull et un pantalon vraiment basique. Ça va être une soirée un peu chill et tout, donc pas besoin de m'habiller en mode bad bitch, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Demain, c'est la Coupe du Monde, donc je vais être avec mes voisins, etc. Mais on va vraiment attaquer Noël parce que là, c'est la merde. C'est Noël dans une semaine. Je n'ai toujours pas des cadeaux des gens, donc c'est un peu problématique. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Bye bye.